donc vous allez devoir qu'en entrant dans nos grottes, hein, que nous avons un lac. Alors le lac souterrain, il fait quand même 2 km, il est réparti dans les deux grottes. Hein. Donc deuxième grotte qu'on ne peut pas visiter puisqu'elle est en travaux en ce moment. Et ce lac, lui, il est alimenté par des sources. Et vous avez dû voir qu'à la surface du lac, hein, vous avez un film de calcaire qui se forme. Hein. Et lorsque ce film, il a atteint environ 1 mm d'épaisseur tous les mois, il se brise sous son poids et tombe au fond de l'eau. Et vu qu'avec l'air, bah, il se redurcit petit à petit, nous on essaie de le nettoyer un petit peu le fond du lac pour pas que ça se rebouche trop vite. Depuis 1593, donc à la bougie à cette époque, hein, et venez voir la cascade asséchée. Alors même si l'eau coule plus, on voit encore le travail de l'eau et du calcaire. Hein. Alors vous avez à droite une formation, une concrétion horizontale, parce que l'eau a coulé sur la surface du rocher, avec en haut... C'est sûr, ça existe. Tous les objets, ils sont recouverts petit à petit de 3 à 4 mm de calcaire en 6 mois à 1 an. Les petits cristaux qui brillent, c'est de la silice, c'est ce qu'il y a dans le sable à la plage, on le retrouve dans le tuffeau, donc ils sont vraiment incrustés. Par contre, on les bouge, parce que sinon, ils collent les uns aux autres, et après on ne peut plus les détacher, sauf si on casse le calcaire qui est dessus. On prend pas calbon, comme a dit un monsieur, on prend de la cyclorhydrique, on met à tremper dans la cyclorhydrique, ça mange le calcaire et on la remet à pétrifier, qu'on ait quand même quelque chose d'assez joli. Pour les tableaux, un peu plus dur, on a déjà comme base des matrices. Matrices en cuivre ou en bronze en relief. Alors ils prenaient une empreinte de ces matrices sur de la gomme et au 19e ils avaient la guttaperca. Donc une résine naturelle d'arbre qu'ils faisaient fondre, ils passaient l'ensemble sous une presse et ils obtenaient un moule en creux rigide aussi. C'est bon.
le silicone, produit chimique, liquide. Alors vu qu'on coule sur la matrice, automatiquement on a tous les reliefs, tous les détails. En une journée durci, par contre le moule il est souple, donc plus facilement le démoulage. On le met sur une base pour pas qu'il soit déformé par le poids de l'eau. Donc les moulages, on les place dans la grotte pendant 2 à 3 ans en les tournant régulièrement pour que ça s'incruste dans tous les détails. Et à la fin, on a cette plaque 2, 3, 4 cm d'épaisseur. Donc on la meule tout autour, on enlève le dos de calcaire, on enlève la base d'aluminium et ensuite on démoule tout doucement parce que c'est plus facile, le moule est souple. Mais il faut faire quand même attention aux détails qui eux resteront les mêmes. Donc c'est toujours le même monsieur qui s'occupe du démoulage parce que ce monsieur maintenant il sait justement à quel endroit il faut faire attention. Thank you.
je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine avec des copains et des copines. À la maison, quand il y a plein d'invités à déjeuner, il est toujours bien défendu de leur faire des croche-pieds. Ensemble à bord de ce magnifique bateau, la Gabarre. Hein. Il garde le bus. Tant pis pour lui. Hein. Bah, oui. C'est pour ça qu'il nous suit au courant. Puisqu'il va apparaître à peu près dans les. Thank you.
vous a plu là, tous là? Ouais, plus fort. Ouais. Encore plus fort. Ouais.